les 10 femmes les plus belles du monde en 2018. De par leur beauté, mais aussi leur talent et leur charisme, elles ont toutes réussi à se faire une place dans leur univers, que cela soit au cinéma, sur les catwalks, sur les réseaux sociaux ou sur scène. Ces femmes sont nord-américaines, espagnoles, françaises et d'une part, bientôt des princesses. Ceux-ci sont, les 10 plus belles femmes du monde. Numéro 10. Janelle Monáe. Avec ses tenues acidulées et ses looks androgynes, Janelle fascine. Mi-humaine, mi-cyborg, elle s'est créé un alter ego androïde, la chanteuse intrigue, par sa beauté, son charisme et sa légèreté. Et son décalage avec la réalité, à l'époque où les icônes pop se déshabillent, Janelle se rhabille. Numéro 9. Penélope Cruz. Penélope Cruz est beaucoup trop belle pour rentrer dans une case, a affirmé Pedro Almodovar à propos de l'actrice dont il a fait une star, dont il a fait sa muse, dont il a avoué être fasciné par sa beauté. À 43 ans, Penélope Cruz est toujours aussi envoûtante, qu'elle joue l'iconique Donatella Versace, ou la maîtresse de Pablo Escobar. Numéro 8. Milly Ratajkowski. Milly Ratajkowski s'affiche, très souvent, nue oui. Mais c'est son droit et son choix. Dénudée aux Bahamas, déshabillée à Los Angeles, découverte à New York. Assumer sa féminité est un moyen d'exprimer son féminisme. Le mannequin de 25 ans, a choisi de faire de sa nudité sa spécialité, et de son corps son étendard. Numéro 7. Kaya Gerber. C'est la révélation mode de ces derniers mois. À seulement 16 ans, Kaya Gerber, fille de Cindy Crawford, est devenue la nouvelle coqueluche des podiums en moins d'un an. De Saint Laurent, à Chanel, en passant par Marc Jacobs, tout se l'arrache. Numéro 6. Gigi Hadid. Depuis ses premiers pas sur le catwalk en 2014, son nom est sur toutes les bouches. Adulée par des millions de fans, et convoitée par les plus grands, Gigi Hadid a mis en quelques années le monde de la mode à ses pieds. Numéro 5. Margot Robbie. Avec son visage angélique et ses yeux clairs, Margot Robbie envoûte le 7e art, et séduit les plus grands de la mode. Notamment la maison Chanel, pour qui elle devient égérie en mars 2018. Numéro 4. Marion Cotillard. Marion Cotillard est la star française. Depuis sa victoire aux Oscars pour son incroyable performance dans La Môme, l'actrice s'est imposée dans le monde entier. Elle a joué avec les plus grands, de Christophe Nolan à Misha Hellman, en passant par Woody Allen, Sven Soderbergh, Robert Zemeckis, les frères Darden, et Jean Maigret. Son talent a charmé les uns, sa beauté et son magnétisme a fait succomber les autres. Numéro 3. Rihanna. Depuis le début de sa carrière, Rihanna a vendu près de 100 millions de disques. Le monde entier a ainsi succombé au charme de sa voix suave, à son regard unique et à son déhanché torride. Au fil des années, elle a également réussi à s'imposer comme It Girl et Business Woman, grâce à sa marque Fenty, et à sa collaboration avec Puma. Une star parmi les stars. Numéro 2. Meghan Markle. Elle sera la personnalité de l'année 2018. Dans quelques jours,
Meghan Markle va devenir l'épouse du prince Harry, héritier de la couronne d'Angleterre. La jeune femme, ancienne actrice américaine, devient ainsi princesse. Un conte de fées moderne qui fera rêver les petites filles du monde entier. Numéro 1. Angelina Jolie. C'est probablement l'une des actrices les plus talentueuses de sa génération. Une des puissantes aussi. Un regard perçant, un charisme indéniable, un magnétisme saisissant. Angelina Jolie a réussi à s'imposer à Hollywood, tout en devenant une militante pour les droits de l'homme aux Nations Unies. Angie, une beauté donc, mais bien plus que cela. Ellie Rigby. My mom named me after that Beatles song. I'll explain anything you don't understand. There wouldn't be anything that I didn't understand. Okay. So long, Kaiser.